عن بلدي يحكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي عن أهلي يحكيلي عن بيتي يحكيلي عن جار الطفولة حكاية طويلة Les Damasènes connaissaient l'art de l'orfèvrerie depuis des centaines d'années et fabriquaient des bijoux et des pièces d'art de ce métal précieux, avec une telle compétence qui témoigne de la précision et de la perfection de ces artisans chevronnés dans le travail du métal. Le façonnage de l'or et la création des bijoux est l'un des métiers qui nécessite une grande précision et une longue formation pour l'acquérir. Le travail de l'orfèvrerie est complexe et passe par plusieurs étapes, la conception, la mise en forme, l'assemblage, la décoration et les finitions. L'orfèvre travaille le métal de nombreuses façons, à chaud ou à froid, selon différents procédés, la fonte, l'estampage, la pression, le martelage, l'étirage pour la mise en forme du métal en fil. Tout ce travail se faisait traditionnellement à la main, avant de se mécaniser progressivement avec l'entrée des machines pour le perçage, les tours électriques pour le polissage et du laser pour la gravure et le soudage. Néanmoins, la distinction et l'excellence restent toujours le produit des doigts de l'orfèvre et des touches artisanales. Au souk des orfèvreries, qui est une ramification du souk Hamadia dans le vieux Damasque, les devantures des magasins brillent avec différentes pièces en or. Des bracelets torsadés, des bracelets ronds, des gourmettes, des pièces colliers bandantifs dits Mohamasa, faites de l'assemblage de 5 livres en or, des chaînes et d'autres pièces encore. Les bijoux en or fabriqués par les artisans syriens restent toujours les meilleurs dans la région. Certains clients recherchent l'art et l'excellence dans la pièce et d'autres ne s'intéressent ni au modèle ni au motif non plus. L'important à leurs yeux est le poids de la pièce et sa pureté. Pour eux, acheter de l'or, c'est un investissement. Nous avons un proverbe célèbre à Damas qui dit: les bijoux en or sont une décoration et un coffre-fort. Nous les portons dans les occasions officielles et les gardons comme une sécurité matérielle pour les jours difficiles et parfois pour assurer l'avenir des femmes dans la tradition populaire. Bonjour Monsieur Dani, bonjour et soyez la bienvenue. Comment avez-vous appris ce métier? Depuis mon enfance, j'ai commencé à travailler dans plusieurs ateliers. J'ai appris le métier dans plusieurs ateliers. Depuis quand travaillez-vous dans ce domaine? Depuis 26 ans. Avez-vous des difficultés dans ce métier? J'avais des difficultés surtout au début lorsque j'ai commencé à travailler. Mais avec le temps, j'ai résolu tous ces problèmes et ces difficultés ont disparu. C'est un métier qui nécessite de travailler dans le calme, d'être concentré et de faire un travail de grande précision. Nous remarquons que le nombre de personnes qui travaillent dans le secteur de l'orfèvrerie traditionnellement a diminué considérablement. Quelle est la raison de ce manque d'intérêt? La raison est la technologie. Beaucoup de choses ont évolué. Il y a des machines qui fabriquent des pièces d'or. Il y a maintenant un programme appelé Matrix qui dessine les pièces et une autre machine les imprime. C'est un programme sur ordinateur. Avant, tout était fait à la main et rien n'était fait par les machines, depuis le dessin jusqu'à la finition. Tout était fait manuellement. Maintenant, il y a de nouvelles technologies. Est-ce que les pièces artisanales sont plus belles que les pièces modernes? Cela dépend du goût des gens.
La pièce artisanale reste unique, autrement dit. Cette pièce est conçue spécialement pour moi. Pourtant, on peut déceler quelques imperfections dans la production artisanale, mais avec les machines, les pièces sont toujours un peu capables. À votre avis, est-il possible que l'orfèvrerie artisanale disparaisse un jour? C'est un peu difficile. Il y a beaucoup de gens qui importaient des bijoux fabriqués manuellement sur mesure. Le travail manuel reste distinctif de cette façon. Il n'y a pas de production à grande échelle. Chaque pièce est unique. C'est donc un facteur clé pour que ce métier ne disparaisse pas. Quels sont les outils et les étapes de la fabrication d'une bague? D'abord, il y a la conception de la pièce. Nous dessinons d'abord un croquis sur du papier pour élaborer le design que nous voulons. Nous fondons ensuite l'or en forme d'une bande ou d'un carré. Et nous exécutons le dessin sur la bande dorée et commençons à découper les morceaux dessinés pour les rassembler à la fin. Voici la première étape. J'ai préparé à l'avance les bandes et les morceaux à découper car cela prend beaucoup de temps. Cette pièce va servir à la fabrication de l'anneau de la bague. C'est la pièce sur laquelle je vais dessiner et la découper ensuite conformément au dessin. Avec ce bandeau, je ferai la tête ou le château de la bague pour y enchâsser la pierre. Vous allez maintenant voir comment les pièces seront assemblées. Quels outils utiliserez-vous? Les lignes de taille différentes, certaines sont souples et d'autres rugueuses, l'acier, les pinces, le chalumeau et le marteau. Tout d'abord, je choisis la pierre maintenant, je vais faire un chaton, c'est-à-dire une sorte de cage pour y déposer la pierre afin de la fixer sur la bague. Je vais commencer maintenant. Ceci est une bande que j'ai faite avant, car elle prend beaucoup de temps. Je vais donc commencer à exécuter cette fois. Enroule cette bande comme ça. On utilise une pince pour plier les bandes. Le chaton de la bière doit être parfaitement dimensionné, ni plus grand, ni plus petit. Ceci est la première pièce. Maintenant, je vais faire une deuxième pièce, qui est la deuxième poche. Ici, ce sont les griffes, c'est-à-dire le petit crochet qui vont maintenir la pierre en place. Je serre ici et ici. Après avoir découpé toutes les pièces, je ferai une bague.
Vous allez maintenant voir comment je vais enrouler les pièces puis les mettre sur le dessin requis. La taille requise est 13. C'est un mandrin, un outil que j'utilise pour mesurer et redimensionner les bacs. Quand il correspond au nombre 13, cela veut dire que la taille est 13. Mais je choisis une taille un peu inférieure à 13 parce que quand je termine la fabrication de la bague, elle devient plus grande. Maintenant, nous arrivons à l'étape d'assemblage des pièces de la bague. Voilà, tout est prêt. Après avoir arrangé toutes les pièces. Voici la dernière étape. Je vais mettre du gypse pour assembler les parties à travers la soudure. Donc, on rassemble les pièces et après on fait la soudure pour coller toutes les parties de la bague ensemble. Après cela, la bague sera prête pour installer la pierre précieuse. La bague est noire à cause du soudage. On la met dans l'acide pour lui redonner sa vraie couleur. Maintenant, l'étape du papier de verre. J'utilise du papier de verre pour lisser la bague avant la dernière étape de polissage. J'ai mis la pierre à sa place. La bague est prête pour la dernière étape de polissage. Une brosse en poil pour le polissage des coins étroits. Maintenant, j'utilise cette petite brosse pour polir l'intérieur. Cette dernière brosse sert à donner à la bague son éclat ultime. Lorsque j'utilise cette brosse, je change la pâte à polir. Il y a plusieurs types de pâte à polir, mais cette pâte rouge donne beaucoup de brillance. Vous voyez la différence maintenant? La bague brille plus.
La bague est prête après la dernière étape de polissage.